Monsieur le Président, on apprenait ce matin que le grand manitou de la légalisation de la marijuana, le secrétaire parlementaire de la Justice, nommé par le premier ministre lui-même, participe à les activités de financement organisées par le Parti libéral en présence d'avocats et de lobbyistes pro-marijuana en même temps qu'il prépare le projet de loi sur la légalisation de la marijuana. Monsieur le Président, libéral un jour, libéral toujours. Quand les gens de l'autre côté de cette chambre vont respecter les règles d'éthique du premier ministre lui-même ou bien sont-ils en train de nous expliquer que c'est les lobbyistes qui gèrent ce gouvernement? Monsieur le Président, comme le député sait très bien, les règles régissant les levées de fonds sont parmi les plus strictes au pays et notre parti suit les règles. Le directeur général des élections a déclaré que les lois canadiennes de financement politique sont les plus avancées, transparentes et contraignantes au monde. Il a confirmé que tous les partis, tous les campagnes prennent part à des événements de levée de fonds ou avec un prix d'entrée. Merci, Monsieur le Président. De Richmond-Arthabasca. Monsieur le Président, parlons maintenant du premier ministre lui-même, de ses petits amis et des règles d'éthique. Pas plus tard que cet été, sur le site du Parti libéral, qu'est-ce que l'on voit? Que le directeur financier du parti est l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie du cannabis et en plus est actionnaire de la plus grosse compagnie de fabrication de cannabis au Canada. Monsieur le Président, il n'y a pas de fumée sans feu, je devrais dire, il n'y a pas de fumée sans pote. Suis-je le seul à voir qu'on est en plein conflit d'intérêts? Quand le premier ministre va-t-il respecter ses propres règles d'éthique? Monsieur le Président, les règles régissant les levées de fonds sont parmi les plus strictes au pays et notre parti suit les règles. Nous avons entrepris un niveau de consultation publique jamais vu auparavant afin de répondre aux vrais défis auxquels les Canadiens font face. On va continuer à travailler avec les Canadiens. Merci, Monsieur le Président.